Salam alaikum, bonjour tout le monde. Alors, tout d'abord, kifash ndirou vidange scooter chinois 4 temps. Vous aurez besoin d'une clé 17 plus l'huile de scooter 4 temps. Après, il y a plusieurs marques. Moi, je préfère cette marque-là car elle est la moins chère. Et ça, c'est pour mettre la quantité exacte. Le constructeur, ils disent qu'il faut mettre 800. Moi, je vous conseille de mettre que 700. Alors, il faut déjà desserrer le boulon de carter qui est juste là. Ah ouais, j'ai oublié de préciser, de préférence que le scooter il soit chaud. C'est-à-dire il faut rouler avec au moins 2-3 km. Comme ça l'huile elle coule plus rapide. Quand vous faites ça, il faut toujours ouvrir le truc là. Et il faut attendre jusqu'à ce que ça coule. Alors, pour les remettre, les boulons, par contre, il faut bien les nettoyer avant de les remettre. Et ça se remet comme ça. Le filtre, après le ressort, après. Ça se remet comme ça. Et quand c'est comme ça, l'huile, il faut bien pencher le scooter. Il y en a beaucoup qui ne montrent pas ça, car il reste toujours de l'huile. Il faut faire ça 2 ou 3 fois. Comme ça, vous assurez qu'il n'y a plus d'huile dans le moteur. Pour s'assurer que l'ancien huile descend complètement de moteur, je vous conseille de rajouter un peu l'huile neuve. Vous la faites verser comme ça, juste un peu, pour comme ça. Faites comme ça. Et vous n'oubliez jamais de pencher le scooter comme ça. Vous le faites 2 à 3 fois. Comme ça, toute l'huile noire, elle descend du moteur. Comme vous voyez, directement à l'image. Hop. Et là, on passe à la prochaine étape. Après d'avoir attendu que toute l'ancienne huile coule de moteur, il faut remettre le bouchon. Et ça se remet comme ça. Le ressort, après le filtre. Après, il faut le visser de cette façon-là avec la main. Et après, vous prenez la clé 17. Il faut pas le serrer comme un malade. Hop. Quand il se bloque, il faut lui donner un petit coup. Et c'est bon. Et après, vous prenez votre huile et vous renversez doucement. Comme on a dit au début, il faut mettre 700 et vous jaugez. Et vous voyez, c'est
vous rajoutez ou non. Ah ouais, je précise aussi que l'huile, moi perso, je mets de 10-40, 10W40. Car le constructeur, il dit qu'il faut mettre 15W40. Moi perso, je mets 10-40. Et le scooter, il est à 20, 24 000 km, jamais aucun problème. Jamais de problème. Et vous prenez la Georges. Il faut qu'elle soit là au maximum. Comme vous voyez. Ben, j'espère que voilà. J'espère que ça va vous plaire cette vidéo-là. Et je compte de vous faire des autres vidéos sur le scooter chinois ou la prochaine, ça sera sur un scooter Zip. Et voilà, je vous dis à bientôt. Et il faut pas oublier de s'abonner à la chaîne. Et merci, à la prochaine. Salam. Et n'hésitez pas de me poser des questions si besoin. Et bonne chaîne. Merci les frères. Salam alaikum.